Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur News Reborn. Waouh Le témoin qui va suivre est un témoin très puissant, une vidéo waouh extraordinaire où on nous dit des choses, je suis sûr que vous avez vu dans les titres, c'est ce que vous avez vu et que vous êtes curieux de voir ce qui va se passer. Alors je vous dis bon journée à tous, bonne compréhension et surtout, n'oubliez le Seigneur Jésus-Christ à la fin qui va répandre son esprit sur vous sauver. Bon visionnage à tous. Surtout, en dessous de cette vidéo, tous abonné. vous tous abonnés. Cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo qui va sur celle-ci. Celle-là. A bientôt. Merci beaucoup. Bon, okay. Chapitre 4 La sirène Jacqueline, revenons un peu sur nos opérations avec la sirène Jacqueline, je me souviens qu'un jour la sirène nous avait déployé sur la terre pour capturer un jeune garçon, il était orphelin, mais quand ses parents étaient vivants, ils avaient signé une alliance, une pâque avec le monde des ténèbres afin d'acquérir le succès et la richesse, mais selon les termes et la condition de cette alliance leur progéniture était supposée mourir tous dans un âge bien précis, au fil des ans ils se sont enrichis avec les biens de ce monde. Mais leurs enfants mouraient à tour de rôle dans l'âge prédéterminé dans le pacte qu'ils avaient signé avec le monde de Pandemonium. Et lorsqu'ils sont devenus matures et ils ont pris de l'âge, ils ont remarqué qu'ils se sont enrichis mais qu'ils avaient perdu tous les enfants, ils étaient donc sans enfants, ils ont estimé que cette situation était tragique et ils risquaient de mourir sans laisser une progéniture et de ne pas avoir un héritière qui va jouir et bénéficier de leur richesse après leur mort. De ce fait, ils ont donc décidé d'une façon délibérée d'avoir un enfant qu'ils ne vont pas sacrifier. Ils étaient prêts à aller à l'encontre des termes et des conditions du contrat qu'ils ont signé avec le monde sous-marin, ils se sont mis d'accord de ne pas sacrifier leur fils comme il est stipulé dans le pacte macabre signé avec le monde de Satan. Selon ce pacte avec le monde de l'obscurité, tous leurs descendants et les fruits de leur entraille devaient mourir dans un âge prédéterminé par cette alliance diabolique, c'est ainsi que tous leurs descendants mourraient dans cet âge prédéterminé par le monde de Pandemonium. Plus tard ce couple a donné naissance à un petit garçon. Et quand le garçon a grandi et a atteint l'âge de la mort prédéterminé dans cet accord et pacte satanique, il était supposé mourir. Mais ses parents ont refusé d'obtempérer à la demande du monde maléfique de Lucifer. En fait, il y avait des procédures et rituels que ce couple devait exécuter afin de livrer les âmes de leurs enfants au diable. Ils étaient donc censés exécuter le rituel par lequel l'enfant devait tomber malade et ensuite mourir sans suspicion. Mais ce couple a fait savoir au royaume de Pandemonium et aux esprits maléfiques qu'ils ne sacrifieront pas leur fils. Le monde infernal de Satan les a avertis qu'ils mourraient à moins qu'ils ne sacrifient l'enfant comme signé dans l'accord. Et malgré l'avertissement des esprits maléfiques du monde infernal, ce couple a choisi de mourir à la place de leur fils, car ils ont estimé qu'ils étaient déjà vieux et donc ils ont accepté les conséquences qui vont s'en suivre. De cette façon, leur fils pourra au moins bénéficier et jouir de leurs richesses. Alors, pas trop long après avoir violé les contrats signés avec le monde de Satan, la mère de ce garçon mourut, quelque temps après son enterrement. Le père de ce jeune fut déclaré mort. Tous ceci afin que leur fils puisse jouir de leurs biens. Mais juste après leur mort, la famille élargie reprit et confisqua par force toutes les richesses que ce couple a laissées à ce garçon, en lui accusant d'être le sorcier responsable de la mort de ses parents. Il ne pouvait pas comprendre que les parents de ce garçon sont morts pour lui permettre de jouir et profiter de leurs biens. Quelque temps après avoir confisqué ses biens maudits, la famille jeta ce garçon dans la rue après avoir pris tout ce que ses parents lui ont laissé. Et ce garçon a fini par devenir sans-abri, mais après que cette famille ait pris contrôle de tous ses biens, quelque chose arriva. Il faut noter que lorsque le père et la mère de ce garçon moururent prématurément, ils ont été emmenés dans le royaume de Satan comme esclaves pour exécuter les travaux forcés jusqu'à ce qu'ils vont atteindre le nombre des années que Dieu les avait attribuées, alors ils pourront se retrouver dans le sejour de mort. Ils ont donc continué la vie dans le monde sous-marin comme des esclaves faisant des travaux forcés. Et depuis le monde de pandemonium ils ont vu comment la famille élargie a pris contrôle de leurs biens et ont jeté dans la rue leur seul enfant qui était supposé hériter de toutes leurs biens. À vrai dire après leur mort cet homme et sa femme sont devenus des esclaves et des esprits servant au service du royaume de Satan. Et à tant qu'esprit humain, quand ils ont vu leur fils dépouillé et jeté dans la rue, ils ont commencé à frapper les membres de la famille élargie qui se sont accaparés de leurs biens par force. En conséquence il y a eu des morts dans la famille. J'ai clairement indiqué que la plupart des personnes qui entrent en alliance et signent des contracts avec le diable meurent avant le temps alloué pour eux par Dieu. Au fait le diable les tue prématurément afin que leur âme soit inscrite dans son armée. Ils travailleront pour le monde infernal et ils fonctionneront comme démons missionnaires sur la terre et dans le monde astral jusqu'à ce qu'ils atteignent le nombre total des années que le Seigneur leur avait alloué. Alors quand ce garçon fut jeté dans la rue et il était devenu sans abri. Dieu merci, une église locale a remarqué sa situation et lui est venue en aide. Les hommes de Dieu ont pris la responsabilité de ce garçon. Ils lui ont fourni une place pour dormir et ils lui ont envoyé à l'école. Pendant ce temps-là, ses parents faisaient le travail forcé dans le monde sous-marin où ils étaient des esclaves. Un jour, ce couple qui sont devenus des esclaves dans le monde de Satan furent convoqués par les autorités juridiques du royaume des ténèbres dans le monde de Pandémonium. Une fois arrivés chez les autorités, ces derniers leur ont dit ceci. Il est vrai que nous avons dû interrompre votre vie sur la Terre prématurément parce que vous n'avez pas pu garder les termes et les conditions de l'alliance que nous avons signée ensemble. Vous avez violé le contrat raison pour laquelle votre vie sur Terre fut interrompue. Mais en vérité, nous n'avions pas besoin de vous ici, ce sont vos enfants qui nous intéressaient, parce qu'il nous appartient légalement et juridiquement, parce que selon les accords que vous avez signés, vos enfants nous appartiennent. Et puisque vous avez signé le contrat de nous donner tous vos enfants, nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de prendre votre fils qui est sur la terre comme stipulé par l'alliance que vous avez signée. Bien aimé, ce couple a essayé de plaider auprès des juges du royaume sous-marin, ils ont essayé de constituer une défense légale et plaider pour leur fils, en avançant des arguments selon lesquels ils ont accepté de mourir à la place de leur fils. Mais les autorités judiciaires du royaume sous-marin étaient catégoriques car le pacte signé par ce couple était toujours en vigueur. Il n'était pas annulé, et donc leur fils devait mourir sur la terre et le rejoindre dans le monde des eaux. Il allait mourir et devenir esprit servant dans le royaume sous-marin. Par conséquent, le royaume de Satan avait donc déployé des esprits humains pour tuer ce garçon. Mais ils ont échoué lamentablement car ce garçon était entre les mains des hommes de Dieu. Après cet échec, nous étions obligés de prendre en charge cette mission. La sirène Jacqueline nous a rassemblés et elle a projeté l'image directe de ce jeune garçon sur un moniteur. Nous avons pris le temps d'étudier et d'enquêter sur sa vie pour obtenir des informations sur lui. En fait, on regardait des images directes de la vie de ce garçon sur la Terre dans un écran géant afin de voir de quelle manière nous pourrions procéder avec réussite. On savait qu'il était orphelin car ses parents étaient ici dans le monde sous-marin, d'après les images directes projetées dans l'écran géant de la sirène Jacqueline. On pouvait voir qu'il vivait dans une église, mais il semblait être misérable car il pensait souvent à ses parents. Enfin, nous avons voyagé sur la terre pour le raconter. Nous avons atterri physiquement à la surface de la terre, précisément dans ses voisinage. En fait, nous avons atterri avec trois jeeps neuves car nous avons pris l'apparence des hommes d'affaires. À ce stade, on fonctionnait comme des démons car on pouvait opérer physiquement sur la terre. Comprenez que tous les hommes ne sont pas des êtres humains naturels. Après l'atterrissage dans ce quartier. On se dirigea vers le jeune garçon qui était dans un périmètre de 200 mètres. Quand nous l'avons vu, nous l'avons salué et nous l'avons questionné sur son père et sa mère. Il se mit à pleurer avant de nous répondre. Puis il nous dit Les gens que vous cherchez sont mes parents, mais ils sont déjà mortes. Nous lui avons dit Nous sommes les amis de votre père. Nous venons de l'Europe. Nous sommes venus lui voir car il nous avait aidés à voyager en Europe. Après une conversation amicale avec ce garçon, nous lui avons remis beaucoup d'argent en lui recommandant de ne plus vivre dans l'église mais de louer un endroit. Au lieu de parler de tout ceci avec les pasteurs qui prenaient soin de lui, il a couru dans la ville pour louer une place. Pour tuer ce garçon, notre tactique consistait de l'éloigner des hommes de Dieu et de l'Église. Ceci pour ne pas échouer, comme la première équipe des esprits humains qui avait échoué dans ce mission. J'aimerais signaler que pendant que nous étions entrés de nous entretenir avec ce garçon, nous avions dû placer des barrières invisibles dans un périmètre donné, de sorte que les gens ne passaient plus dans cet endroit. Une fois qu'un homme atteint ce barrière, il aura tendance à changer la direction car cet endroit était comme celé. Ceci, enfin, que nous puissions exécuter notre opération sans dérangement et interruption du public. Alors, après avoir remis cette somme d'argent à ce jeune homme, nous avons retourné dans le monde sous-marin. Le jeune garçon commença à vivre une vie d'opulence loin de l'église et des hommes de Dieu, car nous lui avons donné des grosses sommes d'argent. Il fallait commencer par lui éloigner de l'église et des hommes de Dieu. Vous pouvez me poser la question de savoir d'où venaient cette Jeep et ces sommes d'argent. En réalité, j'étais même pas bien habillé, j'étais en culotte noire comme d'habitude, mais je me suis déguisé. Les voitures Jeep que nous avions garées étaient juste des boîtes de sardines vides déjà utilisées que nous avons pris dans un poubelle. Nous les avons commandées de se transformer en voitures. Ces boîtes de sardines étaient perçues comme voitures par les hommes naturels, mais en réalité, c'était autre chose. Ici, nous avons affaire à la manipulation de 500, et l'illusion les yeux optiques des hommes naturels percevaient ces boîtes de sardines comme des voitures grâce à la manipulation optique beaucoup des voitures dans la rue sont des cercueils et des squelettes mais ils sont perçus par les yeux humains comme de voitures en effet dans le monde des esprits nous fonctionnons avec les paroles et les déclarations nous commandons aux choses de venir en existence par la parole le jour de cette opération j'avais ordonné que je sois habillé en vêtements précis j'avais ordonné à la boîte de sardines et de se transformer en voiture si seulement le Seigneur pouvait ouvrir les yeux spirituels de ses enfants, ils m'auront vu en culotte noire et torse nu, et au lieu de voir les voitures Jeep il aurait vu des boîtes de sardines déjà utilisées. Le monde physique est un monde des illusions car les yeux optiques des humains ne captent pas totalement la totalité des réalités de choses. Je vous avais dit que j'ai appris l'informatique dans le monde sous-marin, laisse-moi vous informer que le plus grand savant dans le monde sous-marin c'est Lucifer, celui qui est à la base des nouvelles technologies. À chaque moment, cet archange réfléchit comment divertir et distraire l'humanité avec des nouvelles technologies médiatiques qu'il invente, comme l'ordinateur, le téléphone. Je vous ai dit que les nouvelles technologies viennent du monde sous-marin. Je vous ai dit que Lucifer a créé la voiture limousine aimée par la parole. Il a commencé par imaginer et penser cette voiture. Puis il a parlé la parole en donnant des détails et des précisions comme il le voulait. Comme résultat, la voiture a apparu. Même les maisons dans le monde sous-marin sont construites par la parole. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. J'ai vécu trois ans dans le monde sous-marin et quand j'étais là-bas, je voyais le savant qui venait de par le monde pour copier la technologie de Lucifer et la mener à la surface de la Terre. Ils prennent du temps pour étudier les nouvelles technologies du monde pandémonium. Dans le monde sous-marin, le diable a besoin des hommes forts. Mais quand les esprits humains qui vivent dans son royaume sont sur le point de mourir. Ils le rassemblent et les démons vont faire des invocations pour les transformer en des voitures et des motos. Et ces motos et voitures sont exportées sur la terre. Si tu achètes ce moto ou ce genre de voiture, sache que le jour où cet homme mourra, tu risques de faire un accident car ce moto ou voiture sont des êtres humains. Si le Seigneur pouvait ouvrir les yeux pour voir la réalité de voiture que tu en vis dans le boulevard, tu seras choqué. La Bible dit n'aimez point le monde, ni les choses qui sont au monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors un jour nous étions dans le monde sous-marin en train de jouer au jeu de dames. On se souvenu du jeune garçon que nous avons remis de l'argent et nous avons décidé de mettre fin à la vie de ce jeune garçon. Lorsque nous avons voyagé et atterri sur la terre, il était en train de boire et faire des ambiances avec ses copines. Après cela, ils se mirent à conduire. En fait, nous avions cette fois-ci atterri sur la terre comme des esprits invisibles, donc ils ne pouvaient pas nous voir. C'était pendant qu'il conduisait la voiture achetée avec notre argent que nous avons saisi la voiture en question, et nous avons commencé à le tirer. Il avait donc perdu contrôle de la voiture, il tentait d'arrêter la voiture mais ça ne marche pas. Lui et ses copines tentaient de sortir de la voiture mais ils ne pouvaient pas, car nous avons bloqué les portes et les vitres. Finalement nous avons cogné la voiture sur un mur et il mourut. Pendant son funérail les gens disaient qu'il doit avoir recouru à la magie car il était devenu trop riche, la nuit lorsqu'il fut enterré. Nous avons voyagé dans le cimetière la nuit et nous l'avons fait sortir de son cercueil par des prières mystiques. Il était étonné de voir les trois personnes qui lui avaient donné de l'argent et qui prétendaient être les amis de son père. Plus tard, nous avons pris des formes diaboliques devant ce jeune homme. On se transforma à des créatures monstrueuses ayant des longs ongles et dents pointues devant lui. Il ne pouvait pas comprendre ce qui s'est passé devant lui. Et donc, nous avons pris ce jeune garçon et nous l'avons émené dans le monde de pandémonium sous l'eau. Et lorsque nous sommes arrivés dans ce royaume, cette jeune garçon a vu ses parents en train de faire de travaux forcés car ils étaient des esclaves là-bas. Tout ceci était pour lui comme un film et il était de passé. Ce garçon fut enrôlé dans l'armée de Satan et il est devenu un esprit servant qui devait subir des formations scientifiques et ésotriques pour être déployé sur la terre comme de Il va donc travailler pour Satan jusqu'à ce qu'il va atteindre les nombres des années affectées pour lui par Dieu. Une fois nous avons réussi dans cette opération il y avait une fête et des cadeaux pour nous de la part de la sirène Jacqueline. La Bible dit, « Il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Laisse-moi vous dire il y a toujours une feute dans le pandemonium pour un chrétien qui est détruit, que pour mille non-croyants mortes. Comme je vous avais dit, le monde de pandemonium est rempli des esprits humains au service de l'armée satanique. Je veux simplement nous rappeler que à tant qu'Africains nous sommes nés dans des familles qui sont dans des alliances, par l'application de coutumes et des traditions. Et à moins que ces alliances ancestrales et parentales soient brisées, nous serons victimes, nous ne connaissons pas l'état d'âme de nos ancêtres, la plupart de nos problèmes viennent de nos ancêtres qui étaient dans l'idolâtrie et des cérémonies et pratiques traditionnelles. Comprenons-nous bien, si tes parents ont visité les charlatans, féticheurs, marabouts, tu as besoin de la délivrance car ces gens-là sont des serviteurs de Satan, ils nous font entrer dans des alliances directes et indirectes avec le monde de Satan. Si tu as déjà visité une église ayant un pasteur occultiste et il t'a imposé les mains, tu as besoin de la délivrance. Wow. Vous voyez, ce témoignage n'est pas terminé. Il y a une suite. Alors abonnez-vous rapidement dessus cette vidéo. Activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Waouh, ça va être chaud. Vraiment chaud. N'en serait pas. Avoir.